On va s'intéresser donc à ce qu'ils sont devenus dans Top Chef, les autres candidats. Il a été nommé, pardon, le candidat le plus irritant de Top Chef. Ouais, mais je comprends. C'est une enquête signée Frédéric Maurice, regardez. Que sont-ils devenus? La question se pose toujours pour les ex-vedettes de la télé-réalité. Si la réponse est toute trouvée pour la plupart d'entre elles... Qu'en est-il pour les participants de Top Chef? Sont-ils voués à un avenir aussi incertain? Ou alors est-ce le cauchemar en cuisine? Réponse. Elle était la grande gagnante de la deuxième édition de Top Chef l'année dernière. Stéphanie Lekelec avait empoché les 100 000 euros. De l'argent qui aurait pu lui servir à ouvrir un établissement, mais non, elle a préféré devenir chef de son restaurant dans le Var. D'ailleurs, le mot chef est celui qu'elle préfère, de là à dire que c'est une obsession. Pour partir à Top Chef, j'étais sous-chef et j'étais en train de passer chef. Donc je suis partie de... sur le papier, j'étais chef quand je suis partie à Top Chef, mais j'étais pas prête à l'assumer. Voilà, Top Chef m'a aidée à assumer cette nouvelle place de chef en développant ma personnalité au niveau de la cuisine. C'est donc tout logiquement qu'elle est devenue la chef de Mathieu Lestrade, un autre des candidats de la deuxième édition qui désormais l'assiste dans son restaurant. Ah, vous reconnaissez Mathieu? Mathieu Top Chef 2. Voilà, donc Mathieu nous a rejoint en mai, donc tout de suite après la finale Top Chef. Ce qui a changé pour Pierre Sang depuis Top Chef, c'est déjà sa coupe de cheveux. Oula ! Pierre Sang, c'était l'artiste incompris de Top Chef 2. On pourrait presque dire que le pinceau est son outil préféré. Le pinceau est mon outil préféré. Ah bah voilà. Je trouve que ça permet d'avoir plus de relief dans l'assiette. Mais malheureusement, sa créativité n'était pas toujours récompensée. Je suis pas fan de la trace de frein, là. Non mais voilà, c'est vraiment une... Mais Pierre Sang est un malin, il a bien su séduire le jury Christian Constant qui l'a embarqué dans son équipe. Bonjour chef, ici monsieur un agneau et un camion. T'as pris un nouveau chef? Ah oui chef, ça va Pierre Sang? Ah, parfait chef. Bon, comment ça se passe? Vous voyez, c'est assez merveilleux, c'est... Tu glaces les pommes de terre facile. Voilà chef. De son côté, Alexandre Dionisio de Top Chef 1 peut être fier. À Bruxelles, son établissement a décroché sa première étoile. Eh bien voilà, bienvenue dans mon restaurant. Voilà, donc le restaurant avec qui j'ai ouvert avec ma compagne qui se cache là-bas derrière la caisse. Une table réputée qui attire les gourmets mais aussi les animatrices télé comme Estelle Denis. Et je vais vous dire, avoir une étoile ça donne de la confiance en soi et Alexandre n'a aucun mal à proposer discrètement un petit 5 à 7 aux jolies filles qui traînent dans ses cuisines. Donc, alors pour commencer, tu vas venir par ici, s'il te plaît. Très bien. Voilà, tu me prends ceci. Tu me prends l'oignon. Tu me prends l'oignon, et il doute de rien Alexandre. Avec sa gueule d'ange, Grégory de Top Chef 1 a su séduire les téléspectateurs et les gastronomes. Il va prochainement ouvrir son deuxième restaurant à Lyon, sa ville d'origine, mais il est également le chouchou des médias qui le sollicitent pour faire de la pub. Tagliatelle, crevettes. T'es sûr de toi? Tu cuis les pâtes al dente, tu fais revenir les crevettes à feu doux, tu ajoutes l'inimitable texture fondante. Et peut-être même que ça lui a permis de trouver l'amour avec Romain Tichenko, le premier gagnant de Top Chef. Le petit coquin. Une autre amoureuse des médias, c'est Yoake San qui savait allier féminité et savoir-faire. Désormais, elle continue à faire de la télé, notamment sur une émission de Energy 12, une famille au top où on apprend à des gens à ne pas manger gras. C'est, voilà, c'est... C'est une habitude alimentaire. Enfin, je veux dire, on mange toujours comme ça, quoi. Je veux dire, on est habitué à cuisiner avec de l'huile, quoi. Ça, c'est pour le mari. Voilà, le mari en général. Ah oui. Ah, il y a plus de sauce voilà, que de couscous. Bon appétit. À Top Chef, on n'est pas comme dans les autres émissions de télé-réalité. Il y a une vraie vie après la télé, dans le vrai monde, avec des vrais gens. En cuisine comme à l'écran, l'authenticité, ça paye toujours.